La Légion oubliée a dû l'abattre. Tout le monde croit que les robots ne ressentent pas la douleur, mais en réalité, on la ressent au ralenti de façon très intense. Ce robot était en pleine agonie au moment de sa... Hyperion, à l'attaque! Je peux pas... Oh, c'est génial. Hey, mais c'est pour la baston, moi, c'est Nisha. Je suis là pour la baston. La banditeuse de bandits. Oh, j'ai hâte qu'on apprenne à mieux se connaître. En tant qu'ami, pour commencer. Allez, je sais absolument pas d'où sortent ces soldats et pourquoi ils en veulent autant à la station, mais là je suis coincé. En avant! Tuez-les! Par les côtés, les côtés! Attention, Hyperion. Votre station spatiale Helios est désormais aux mains de la Légion oubliée. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Jusqu'à la fin. Doit tomber. Moment de faiblir. C'était pas censé se passer comme ça. À moins que tu préfères attendre, t'as du boulot. Trop bon sang, tu m'as sauvé. Merci. Oh, désolé, j'ai le cœur qui s'emballe, c'est la première fois qu'on me tire dessus. C'est marrant, en fait. Écoute, ces salopards ont attaqué Helios juste après que je t'ai convoqué. Si on arrive à les repousser, on pourra partir à la recherche de cette arche sur la Lune. Tu as trouvé un bouclier. Tout est dans le titre. Il absorbe les balles jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, pense à te planquer le temps qu'il se recharge. Et laisse-moi juste activer les commandes de défense. Juste une minute, et on aura des tourelles, des champs de force, des lasers. Défense, ah, ces canards vont rien comprendre. Évacuation. Échec critique. Système de défense d'Helios brouillé. Hein? Quoi? Origine du signal de brouillage. Elpis, lune de Pandore. Merde, les tourelles! Neutralise les tourelles! Boum! C'est plutôt rigolo! C'est de mieux en mieux cette journée. Très bien, plan B. Si on peut pas reprendre Helios, il faut évacuer. Les vaisseaux de secours sont par là. On doit à tout prix prendre le contrôle. C'est qui cette comédienne? Elle est à la tête des abrutis, je crois, je sais pas en fait. Mais le premier qui lui tire une balle en pleine tête aura un hi-fi et un manoir de folie. Ok, je vais ouvrir cette porte. Les vaisseaux ne sont plus très loin. C'est pas possible.
plan, une fois de pas longtemps. Bonjour, Jack. Super, elle a détruit les vaisseaux. Faut qu'on trouve un autre moyen de quitter la station. Il sortait d'où, cet extraterrestre flippant? Aucune idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée, alors tu sais... Cours. Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me signale des alarmes partout sur Helios. Rien, chef. Alors, rien du tout, non, tout va bien, juste... une des unités claptrap qui vient d'essayer de s'accoupler avec une multiprise. Est-ce que je dois te rappeler que t'es là pour observer Pandore et rien de plus? Si Helios se retrouve endommagé à cause de toi, je m'occuperai personnellement. Désolé, chef. Je passe dans un tunnel. Connard. Ah, je vous ai traité de connard et j'avais pas raccroché. Désolé. On discutera de tout ça bientôt. John. Voilà, Elpis. Cette saleté de brouilleur est quelque part sur ce caillou fissuré, et il fiche la pagaille dans tous les super systèmes de sécurité de la station. Vous avez vu ça? Nom d'un prédice. Et pourquoi vous nous attaquez, bande de crétins? Je veux cette station. Je veux ça comme un coureur. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les forces d'Al ont envahi la station. J'imagine que c'est pas toujours le bien qui l'emporte, je peux pas! Chasseurs de l'arche! Des chasseurs de l'arche, pas vrai! Vous voulez juste se barrer, bande de connards! À l'attaque! Chasseurs de l'arche! Ferme la peau! C'est débile. On n'a même pas de soldats ici, c'est des ouvriers qui le tuent, là. Et nous, si on s'affole pas un peu? Ok, bon, j'ai une idée stupide. On va utiliser ce canon de tir lunaire. Suis-moi. Alors c'est quoi ce canon de tir lunaire dont t'arrêtes pas de parler? Imagine un gros canon qui bombarde des ravitaillements sur la surface de la Lune à environ 1000 km/h. On se faufile dans un conteneur et on s'enfuit par là. Ça a l'air super cool. On va mourir? J'en sais rien. Et une balle avec ton nom dessus! J'y crois pas. Je mène le soin. Vous avez vu ça? Vraiment
Soyez purifiés par les flammes. Du subtil, j'imagine. Vraiment le feu. L'ascenseur est par là. En avant. C'est assez excitant. Ouais. Notre temps pour commencer l'histoire, on descendait juste d'un bus. Là, il y a des explosions et tout. Arrêtez de flatter la prisonnière. On pourra entrer dans le canon depuis là-haut. Je vais appeler l'ascenseur. Il y a un truc qui bloque l'ascenseur là-haut. Faut qu'on trouve une solution. Très bien, j'ai une idée. Je vais trafiquer le terminal de chargement. Ok, tu vas entrer dans le cylindre de tir lunaire et monter avec. Regarde où tu mets les pieds, la chute est longue. Pas de problème. Je suis hyper fort pour pas tomber tout seul.